Et ça tout le monde, c'est Taz de Récupération, se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 40 de notre aventure 100% sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. J'espère que vous allez bien, je suis toujours covidé les amis. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait tout simplement trouvé une Perceval, souvenez-vous, avec grâce aux traces de la magie ancienne, on avait trouvé la dernière page manquante du livre, donc on va pouvoir tout simplement aller le recomposer. Mais avant les amis, on a quand même des petites quêtes secondaires et tout à faire, on a quelques petites choses à faire. Alors les amis, au cas où, on a le spectre de notre amour qu'on va essayer de faire, on va essayer de se faire, enfin de faire aussi le devoir du professeur Sharp. Donc il nous faut utiliser une potion de concentration et obtenir les potions Maxima et Eduris et les tester simultanément, donc voilà. Donc obtenir et utiliser une potion de concentration. En cas de besoin, je peux procurer des potions et des recettes chez Potion Ping. Ok, donc à mon avis, il faudra du coup aller. Il faudra du coup aller au Préolard. Et aussi on a la petite truc avec la carte à faire. Donc écoutez, voilà. On ira. On a la petite truc avec la carte à faire. Oh lolo. Oh lolo. Ok. Ok. Oh, bah une page révélée là. Ok, d'accord. Alors, tapisserie saga des loups-garous. Page guide, cet ensemble de tapisseries rencontre la tragique histoire d'une sorcière forcée d'abandonner sa petite fille et son mari après avoir été mordu par un loup-garou. La rumeur raconte que le hurlement d'un loup a bercé sa fille toutes les nuits pendant les années qui ont suivi. Oh, je vois pas ce qu'il vaut faire. Ah, il est tapisserie ou quoi que ce soit, je vois pas ce qu'il vaut faire. Lumos. Ok. Alors, du coup, on va pouvoir sortir de là. Alors, j'explore quand même un petit peu. Parce que je vous avoue que c'est la première fois que nous sommes là. Donc, autant explorer concrètement. En tout cas, dans cette partie de Poudlard. Je sais même pas où on est exactement. Mais c'est la toute première fois. Rien là, ok. Donc, c'est quand même très intéressant. Ok, donc là-bas il y a un miroir. Là il y a un truc. Ok, je reconnais un petit peu l'endroit. Donc là, si on trouve d'autres clés dédales ou quoi, ou d'autres pages de Revelio, why not. Là il y a un miroir. Miroir, mon beau miroir. Ok, il y a un genre de sphinx. Ah mais on connaît le truc, on est pas... Ok. On connaît cet endroit. On est d'accord qu'il y a un truc qui vient de me passer. C'est peut-être moi qui rêvais. Ok, d'accord. Donc, c'est certainement pas ici. Peut-être un peu en bas. Ok, ça a l'air d'être un peu borderline comme zone. Hein. Ok, là on est dehors, mais c'est pas dehors qu'il faut aller. Sur l'exemple, c'est pas dehors qu'il faut aller. Non, c'est dedans, il faut rester dedans. Okay.
Je ne vois pas où ça peut être. C'est bizarre. Je ne vois pas où ça peut être. Non, ça serait pas ici, c'est pas ici. C'est clairement pas ici. Je vois pas où ça peut être. Parce que ça, je vois pas où ça peut être. Lumos. En plus, elle a l'air d'être putain d'éclairée de jour. Bon, c'est-à-dire que c'est devant une genre de fenêtre ou je sais pas quoi. Ok. Putain, il m'a fait peur ce coffre de merde. Ah mais c'est pas ici, je sais pas où c'est. Hein. À part peut-être dehors, mais... En fait, c'est jamais très loin comme ça. Là, on va vraiment à l'autre bout de la terre, donc c'est pas possible que ça soit là. C'est pas possible que ça soit là. Donc ça, c'est l'enceinte de l'école. Ça, ça veut dire qu'on ne pourra pas rentrer avec le truc. Non, ça on y est déjà été. C'est un endroit masse éclairé, donc c'est pas, c'est certainement pas ici. Donc ok, donc on va essayer d'aller là. Je ne vois pas où c'est. Non, je ne vois pas où c'est. C'est la première fois qu'on galère autant pour un truc. Hein. Salut Nelly. Tu peux me rappeler comment fonctionne? Ah oui, d'accord. Ah non, non, c'est bon. Tu me l'as déjà dit un milliard de fois. Bon, c'est juste qu'elle allait me dire un autre truc différent, quoi. Le professeur Weasley. Rébellion. Je sais pas où c'est. Concrètement, je sais pas où c'est. Bon, tant pis, on va laisser tomber pour le moment. On va essayer de se concentrer sur autre chose. On va essayer de se concentrer sur le truc des devoirs. Genre la potion de concentration et l'autre là. Faut que j'aille voir Popine, machin chose, je sais plus comment on appelle ça. Faut que j'aille après au lard. Ah, mais la salle sur demande, c'est la pièce secrète. La salle sur demande est la salle secrète. D'accord. Ok, bon, on a trouvé à quoi... Oui, la salle secrète et tout. Oh là là. Créateur d'invocation, d'accord. Popping. Ouais, là, on y va. Oh, j'y galère, hein, à comprendre le système, là. C'est galère, hein.
Après, il faut que j'aille du coup au cours de botanique. Pour essayer du coup de faire les potions qu'il me demande. Oh, je suis crevé, je suis désolé là. Oh, j'ai un coup de barre là, violent. Oh, quand je commence à m'endormir en pleine vidéo, c'est quand même grave. Alors, du coup, que je réfléchisse. Je suis désolé, là, c'est pas le cerveau qui prend le dessus, hein, j'ai le subconscient. Obtenir, utiliser une potion de concentration. Obtenir les potions Maxima et du risque et les tester simultanément. Une potion de concentration? Mais c'est quoi les potions de concentration? Je comprends rien. T'as pas une potion de concentration, ça? On peut en préparer un de ça. Et Maxima, comment on en prépare? Je sais pas moi comment on en prépare. Je sais pas du tout. Maxima et Uderus. Bienvenue, entrez donc. Bon, où en étais-je? Ah oui. Sac de graines. Bon, si tu vois pas d'inconvénient, je vends. Vous avez vraiment le sens des affaires. 15. 46. Moins 34. Moins 44. Moins 33. Lui on garde, lui on... Celui-là, moins 35 on peut enlever. Moins 36 on peut enlever. Moins 40 on peut enlever. Toi aussi. Celui-là on garde, celui-là on peut enlever. 39, moins... On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vie. Obtenir les potions Maxima et Iris, elle est testée simultanément. Salut Marlon sur Splatoon 3. Carte, on va aller voir la carte. Parce que je connais pas où sont les emplacements des choses. J'étais à l'autre bout de la terre, super quoi. Voir si je peux les apprendre. Hop, une petite trempette dans l'eau, ça fait pas de mal. Hein. Au contraire, un peu d'eau, ça fait du bien. Aïe, j'ai du mal. Hein. Wow, aujourd'hui, j'ai du mal à faire les trucs. Hein. À être concentré et à faire les choses. Je suis désolé. Là, le Covid, il prend le dessus. Heureusement que là, c'est le dernier planning que j'enregistre après le. Pendant que je suis malade, comme ça, moi, après, je peux. J'ai que du montage, l'upload et je peux me reposer moi derrière. Hein. Et je reprendrai par contre la prochaine semaine en forme, vraiment en forme. Pourcent de concentration, ben voilà, on va en chercher une. C'est une sage décision. Invisibilité Maxima. Allez hop. J'espère vous revoir. Merci. À bientôt. Que se mise à jour. Ouais, Maxima, on a tout débloqué. Oh, fuck you. Alors, potion de concentration réduit le temps de recharge de sorte de buveur. 15 cryop, une tige de scie. De ses jambes et une langue de phagieux. Je sais même pas comment on l'obtient, mais. Une potion Maxima permet d'accroître les dégâts infligés, ok. Par les sortilèges de la personne qui la boit pendant une durée limitée. Cela requiert une jute de sang dessus et une croix d'araignée. Donc je les ai. Donc je peux faire la potion de Maxima. La potion Eradus. Et il me manque la potion de concentration que je peux pas faire parce qu'il me manque une langue de phagieux. On l'obtient où ce putain d'élément à la con? La langue de phagieux là. Ingrédient. C'est ça là. Langue de phagieux organe récupérée de la bouche des phagieux. Cette graine est utilisée dans les pour préparer la potion. C'est quoi les phagieux? Est-ce que vous pouvez me dire? Parce que là je vais me retrouver baisé dans l'histoire. Mais il vend pas des langues lui? C'est bizarre de dire ça mais...
Pas sortir. Ah bah si, voilà, tant bon, allez, j'en achète qu'un, ça suffira. C'est une sale décision. Merci. C'est 5, hein, d'accord, on est d'accord, hein. On est d'accord que... Voilà, merci. On regarde, récupérer dans la bouche des fangeux, c'est un ingrédient utilisé pour préparer la potion de concentration, langue de fangeux. Je peux en faire qu'une, du coup, mais au moins, je peux en faire une. Voilà. Je disais quand même. Allez, on y va, on peut sortir de Préola. Et du coup, maintenant, il faut aller au cours de botanique et déconcocter. On va se régaler. Ah non, pas au cours de botanique, putain, je suis con. Au cours de potion. Les botaniques, c'est pour les graines, justement, pour avoir les potions. Différent, différent. Très, très différente. Ouais, en effet, c'est très, très différente. Alors, du coup, on va essayer, hein, on va essayer. Par contre, je veux pas dire, mais ça a l'air d'être putain de bon. Par contre, il y a une quête secondaire là-dedans, on est d'accord, hein, dans les trois balais. Oh, est-ce qu'on la prend? Oh, on la prendra plus tard, dans l'épisode prochain. Par contre, il y a des zones... Après Olar, on n'y a jamais été. Est-ce que, à votre avis, ce serait peut-être pas le moment idéal d'explorer? Non, 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 c'est pas le moment idéal d'explorer. Là, on n'a pas le temps. Il faut préparer les potions. Et comme ça, après, on peut s'arrêter là. Pour cet épisode. Parce qu'encore, j'ai d'autres vidéos à faire. Évidemment. Ouais, je vais finir au moins mon planning aujourd'hui, je vous le dis clairement. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Hein. Alors, cours de potions, c'est où? C'est l'aile d'astrologie. Non, c'est pas ici. Si, c'est où? C'est en bas. Ok, c'est la grande salle. Et normalement, devant la cour des potions. Du viaduc. Grande salle. C'est pas ici. Ah non, mais la grande salle, je suis con, mais vraiment, je suis abruti. C'est pas ici, en fait. C'est clairement soit là, soit là. L'annexe de la bibliothèque. C'est l'annexe de la bibliothèque. Dans le central, salle de potions. Voilà. Putain, désolé, la fatigue vraiment vraiment elle prend le dessus. Alors je me languis d'avoir fini ce planning et me reposer. Vivement que je finisse ce putain de planning. Ah hein. Oh, putain, il me manque encore. Hein. Voilà, dites-vous, d'habitude j'adore faire des vidéos, mais là je vous avoue que je souffre. Hein. Je vous avoue que là je l'ai fait pour vous. Hein. Pour éviter d'avoir énormément de retard. Hein. Pour éviter de perdre mon énorme avance. Ah vraiment, je le fais pour vous, hein. Allez. Oui, c'est ici. Alors, on va pouvoir concocter. Alors, Idurus, on doit faire Maxima, Idurus et concentration, hein. Allez, go, on y va. Vas-y, prépare. C'est bien, là, ça me fait un petit temps. De répit. J'espère que vous allez bien malgré tout. Je vous avoue que c'est pas rigolo. Aïe. J'avoue que c'est pas rigolo. La Covid. C'est vrai que là, personne enregistre des vidéos pendant le Covid. Genre les gens covidés, ils sont tellement qu'ils veulent pas en entendre parler, ils mettent ça de le côté et... Donc il n'y a que moi en fait pratiquement. Mais bon, j'ai pas le choix pour moi finir ce planning quoi. Alors ça, moi, une fois que le planning est fait, c'est bon, c'est fini. Bon, moi, je vous précise, une fois le planning est fait, il y aura moins une semaine de... Je vais peut-être pas enregistrer pendant une semaine, hein, le temps de bien me remettre, hein, je vous le dis clairement. Pour ça, la fois prochaine, on peut se reprendre, je peux gueuler, je peux faire tout ce que je veux. Comme je fais d'habitude, quoi. Hop. Concentration. C'est bien, ça fait une pause. Ça permet de faire une petite pause. En plus, il faut les tester. On doit les utiliser et les tester simultanément. Maxima et Idurus. What the fuck, man? C'est-à-dire qu'il faut aller combattre dans les Eglands. Dans les Eglands, plutôt. Bon, on fera ça dans l'épisode prochain, je précise. Là, on est arrivé à 20 minutes, on va pouvoir s'arrêter là. C'est bien parce que les épisodes de Sunshine sont courts. Et j'ai des RPG HD à faire. RPG HD que je vais peut-être finalement pas faire, hein, je vous le dis clairement.
Je vais les remplacer par Sunshine. C'est des épisodes courts aussi. Parce que vu que je suis à Noki, chez Noki Bay, ouais, je vais les remplacer par Sunshine. Hein, je vous le dis clairement. Je vais pas me casser la tête. Pour ça, je fais que du Sunshine. C'est des épisodes environ de 7 à 10 minutes. Enfin, entre 5 à 10 minutes. Et comme ça, après, finito pour aujourd'hui. Et après, c'est la vacance, entre guillemets. C'est pas tellement les vacances, du coup, hein, vous avez compris. Voilà, on les a fait. Allez, merci les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. En promis, pour l'épisode 41, on se retrouvera en forme. Voilà, pour cette aventure. Là, je vais quand même faire une petite pause. Je vous avoue, moi, de mon côté, là, maintenant, le temps de respirer, de m'abreuver, de manger un coup, parce que, même, dites-vous que j'ai, une semaine, j'ai presque rien mangé. Donc voilà, je vais m'abreuver, manger, etc. pour me remettre un petit peu en forme. Et merci de m'avoir suivi pour cet épisode. J'espère en tout cas malgré tout qu'il vous aura plu. J'ai fait les efforts que j'ai pu, que je puisse faire, excusez-moi. Et on se dit à l'épisode 41 dans lequel je serai en forme, je vous précise. Je serai beaucoup, beaucoup plus en forme que là aujourd'hui. Je pourrais crier, je serai concentré, j'aurai le cerveau qui sera opérationnel, etc. Et du coup, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace!